Salut. Alors, j'exerce deux métiers. Je travaille dans une société de production vidéo qui s'appelle Megapixel, qui fait des vidéos innovantes sur le fond, sur la forme. Voilà, c'est un mi-temps. Et le reste du temps, je travaille à l'IUT de Chambéry et j'enseigne des cours de motion design et de vidéo. Alors, au quotidien, je jongle entre ces deux métiers et j'apporte des connaissances à des étudiants qui ont envie d'apprendre un métier. Moi, ça me permet de remettre en question ce métier aussi. Et dans la société de vidéo, je réponds à des demandes de clients qui ont des besoins de communication visuelle, donc vidéo, son, images, photos. Et voilà, j'essaie d'associer les deux pour que l'un dans l'autre, je trouve des choses positives et qui puissent faire avancer le schmilblick. Alors après le baccalauréat, j'ai fait le DUT Services et Réseaux de Communication, qui s'appelle maintenant MMI, Métier du Multimédia et de l'Internet, à Chambéry. Et ensuite, j'ai fait la licence pro TSI, Technique du Son et de l'Image, qui m'a apporté plein de compétences dans tout ce qui est cadrage, montage, tout ce qui est lié à l'image, plus que le son. Je me suis vraiment spécialisé dans l'image et le motion design, entre autres. Et bien, la plus grande des qualités, je pense, pour tout ce qui est métier de la com, d'audiovisuel, c'est d'être agile, d'être à l'écoute, en fait, des autres, des clients, mais pas seulement des clients, être à l'écoute de l'équipe avec laquelle on travaille. Ça permet de travailler de façon correcte, voire même agréable. Moi, c'est avec plaisir que je vais travailler tous les jours. Ça fait presque 6-7 ans là, que je travaille. Et c'est avec plaisir que tous les matins, je me lève pour faire de la route, mais pour venir travailler. Alors, mon conseil pour ceux qui voudraient travailler dans l'audiovisuel plus particulièrement, c'est d'être curieux, d'aller voir des films. Pas forcément les films qu'on aime voir, mais d'être curieux, de voir plein de choses, des courts-métrages, d'analyser un peu, de creuser, d'échanger avec les gens et d'être à l'écoute. Fin de tournage. Des bisous. Bisous.